lettre là, il gagne toute utilité. Et article 136 constitution, hein, le président pays hein, doit pour lui garantir les bonnes marches des institutions républicaines. Donc, comme un conseil électoral permanent, c'est une entité qui a une portée républicaine. Donc, par conséquent, le président lui-même y agit. Donc, pas oublier que la Constitution 1987 a demandé que le Parlement haïtien était converti en Assemblée nationale constituante pour voter la Constitution et laquelle Constitution il trace ses voies à suivre pour qu'on monte un conseil électoral permanent. Il était dit que chaque pouvoir de l'État, chacun en ce qui le concerne, a désigné 3 membres. Donc, l'exécutif, d'après ça, m'entendez, même pas un exécutif, nous croyons que le désigner 3 membres. Lui. Et le judiciaire, il désigne 3 membres. Lui. Et il était seulement le législatif. Donc, étant donné qu'il y a eu une première lettre adressée au bureau du Sénat, lettre qui a été lue en conseil et en assemblée plénière, côté que on t'a fait part de velléité que le président gagne pour que le Sénat et le Parlement communiquent le droit non pas là et dans le plus bref délai. Parce que et faut que le conseil la monté, parce que selon le vœu de la Constitution, faut que le conseil la monté. Et comme le Sénat, le Parlement va réagir, au niveau de la Chambre des députés, on croit que gagne et on réticence tout, au niveau du Sénat, on réticence, bref, au niveau du Parlement, on réticence. Et comme depuis, et au niveau du Sénat, on quorum fragile, que le groupe soit minoritaire ou bien qu'il soit majoritaire, depuis que gagne un parti, une quantité qui abstraint à participer dans la formation conseil-là, dans désigner monde pour conseil-là, ou bien participer dans samedi carré l'Assemblée nationale et à travers laquelle vous avez gagné 3 membres choisis. Donc, il a dysfonctionné. Donc, ce qui est clair, je ne veux dire que le Sénat n'a pas qu'à réunir dans 2/3 pour mettre sous 2/3 par Chambre députée pour organiser l'Assemblée nationale pour nous choisir. Donc, étant donné que suspicion même des gains, c'est sous question, j'aime détendre au choisir, j'en suis SPJ a choisi ma mieux. Mais hier, moi-même, moi élaboré. Moi, j'aime dit ça, moi, ça c'est clair. Je suis clair sur tout le bagage. Je vais vous donner une lettre qui est distribuée dans le Sénat hier. Et m'a appelé lettre là pour nous. Son Excellence Michel-Joseph Martelly, c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il date du 7 août 2012. Son Excellence Michel-Joseph Martelly, président de la République, Palais National, Monsieur le Président, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, se fait le devoir de vous informer qu'au cours d'une réunion extraordinaire de ce mardi, et 7 août 2012, avec le vice-président Antoine Norgues, Thiès Malette, Jean-Alix Civil et Jean-Étienne Mercier, membres, il a été décidé de confirmer le choix qui a été fait des citoyens Yves Benoît Marie, Jean-Marie, Patrick Hermétellus et Salnav Exantus pour intégrer le Conseil électoral permanent conformément à la Constitution de 1987 avant. Combien lié? C'est 5 monde. 4 plus le président, by 5. Le président, le vice-président, hein? Thiès Malette qui c'est et commissaire en chef. C'est 3 personnalités importantes en un conseil là, ajouté à 2 autres membres encore. Il y a quorum. Mais pour qui dit le maire, tu es en doute de parler en ville ça après la faire revenir. Il y a quorum. Pour qui ça dit le maire, tu es en doute de parler. Mais même seul bal, elle m'a accroché dur comme tu avais depuis que le quorum fini. C'est la voie démocratique. 5 sur 9, aucun problème. Donc moi-même seulement, je me dis, et comme il faut s'en aller, comme disait Aristote, il faut s'en aller, donc le pays ne doit pas s'arrêter de fonctionner. Il faut que le pays a fonctionné. Donc moi-même, si j'étais en place président, moi t'as pas investi, monsieur, de fonction. En attendant que le Parlement envoie trois membres là. Et puis, loi électorale, on commence à travailler sur lui. Et que le Parlement voit trois membres par là, alors on voit loi en bas dans le Parlement.